あら、uh。Huh. Uh huh. Aujourd'hui, avec Edouard de la chaîne des économistes et des hommes, on va essayer de te faire construire un modèle macroéconomique. Un modèle permettant de comprendre le fonctionnement global d'une économie capitaliste. Et eh bah ben c'est qui ça Edouard Bonjour, c'est moi. J'ai créé il y a quelques mois une chaîne YouTube sur l'économie, dans laquelle je parle notamment de théories économiques alternatives à la théorie économique standard. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Ok, bah ben salut, bienvenue. Et du coup vous voulez me faire construire un modèle macroéconomique Je sais pas si je suis à la hauteur, hein. Et puis surtout, pourquoi faire L'idée, c'est de comprendre comment les premiers économistes ont raisonné pour essayer d'expliquer la mécanique du monde capitaliste et d'en découvrir ses lois. On voudrait que tu te mettes à la place de ces penseurs et que, comme eux, tu partes de zéro. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de construire un modèle de l'économie et de regarder comment il tourne. Ouais, mais moi, j'y connais rien en construction de modèles. Et puis, une économie capitaliste, c'est quand même un machin ultra complexe. Si vous me guidez pas un minimum pour commencer, je pense qu'on va pas s'en sortir. Effectivement, on va pas chercher à construire un modèle trop complexe. On reste sur de la vulgarisation. Mais tu vas voir qu'on peut déjà dire beaucoup de choses en étudiant simplement quelques acteurs. Prenons par exemple les salariés d'une unique entreprise dont le patron en est également le propriétaire. Ton but, c'est de construire un modèle qui montre comment tout ce petit monde interagit dans le cadre de la production de richesses. D'accord, alors je dirais, les employés fabriquent des trucs et le patron leur verse un salaire en échange. Les employés utilisent ce salaire pour consommer une partie de la production et le patron se garde ce qui reste pour lui. Ok, et pour rendre ça plus concret, tu prendrais une entreprise qui produit quoi? Eh ben, ça pourrait être... Et pourquoi pas une ferme qui produise des papayes? Alors, ça aurait pas été mon premier choix, mais va pour les papayes. Maintenant, il faut faire tourner ton modèle avec un petit exemple numérique. Combien de papayes produites, à quel prix, le niveau des salaires, etc. Essaye de faire simple. D'accord, simplicité. Alors on va dire qu'il y a 8 employés dans la ferme qui récoltent 10 papayes chacun. Parfait, tu introduis ici la notion de productivité. Cela aboutit donc à une production totale de 80 papayes. Ouais, je sais compter, merci. Et je vais dire que chaque papaye vaut un euro et disons que chaque employé reçoit un salaire de 8 euros. Ok, donc ça fait 64€ euros de salaire en tout. Eh les gars, je peux me concentrer 2 minutes Du coup, j'ai les employés qui consomment avec leur salaire 64 papayes et le fermier se garde 16 papayes pour lui. 16 papayes qui correspondent au profit du fermier, qui est aussi, je le rappelle, le propriétaire de l'entreprise. Ce sont donc ici des papayes dividendes en quelque sorte. Ah ouais, ok, ce qui reste pour le fermier, ce sont les profits. Et c'est logique. Et du coup, que faire des 64 euros désormais en possession du fermier Eh ben, il en a besoin pour payer les employés pour produire 80 papayes de plus au tour suivant. Parfait, donc on a un modèle qui tourne avec des salaires, de la consommation et des profits. Quelle serait alors l'étape suivante pour rendre ton modèle plus réaliste eh ben, il faudrait que je tienne compte de l'épargne. En général, les gens mettent de l'argent de côté, ils dépensent pas tout en papaye. Et c'est tout euh... Il faudra que tu rajoutes l'État, qui propose des services et collecte des impôts. Il va aussi falloir insérer d'autres entreprises pour modéliser la compétition et l'investissement, ainsi qu'un système bancaire afin de collecter l'épargne et de réaliser des prêts. Et puis il faut aussi penser à la modélisation du chômage, au rôle du progrès technique, réfléchir à l'inflation, Bref, il y a du boulot. Ah ouais non mais là ça va vite devenir le bordel, hein. je croyais qu'on devait faire un modèle simple. Oui t'inquiète pas, on va pas aller aussi loin dans le détail. En revanche, les premiers économistes, eux, savaient qu'ils allaient devoir ajouter tous ces acteurs. Du coup ils ont cherché à simplifier au maximum leur premier modèle avant d'y ajouter de la complexité. D'où la question, est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier un peu ton modèle de base Bah il est quand même déjà hyper simple, il n'y a qu'une seule entreprise, comment je pourrais le simplifier davantage On pourrait dire par exemple qu'au lieu de considérer que les employés soient payés en monnaie, ils soient payés directement en papaye. De toute manière, ils ne peuvent cacher des papayes avec leur salaire. Alors à quoi bon s'embarrasser avec de la monnaie Mais il épargne là-dedans. Mais l'épargne ne peut servir qu'à acheter des papayes dans le futur. Donc autant épargner directement des papayes. Ah ouais, c'est pas con ça. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir le fermier qui verse 8 euros à ses employés, qui ensuite s'en servent pour acheter les papayes, on va supposer qu'ils reçoivent directement 8 papayes en guise de salaire. Et effectivement, ça paraît plus simple. Se débarrasser de la monnaie va nous permettre de comprendre précisément ce qui se passe dans l'économie réelle, sans être gêné par les transactions monétaires qui risquent de brouiller la lecture de notre modèle. Car la monnaie, ce n'est finalement qu'un simple moyen d'échange. Ce qui compte vraiment, bah, c'est ce qu'on échange avec. Et oui, petit exemple. Si le prix des papayes doublait dans cette économie pour passer de 1 à 2 euros, et que les salaires doublaient aussi pour passer de 8 à 16 euros, il n'y aurait au final aucune différence. Les employés pourraient toujours consommer 8 papayes chacun, et le fermier aurait ses 16 papayes de profit. Eh ah, ok je vois, si on avait continué de raisonner avec la monnaie on aurait pu penser que quand les salaires doublent, le pouvoir d'achat des employés double aussi. En fait sans monnaie on voit bien que c'est le nombre de papayes qui limite le pouvoir d'achat des employés quoi. Et voilà, donc la monnaie trouble le raisonnement plus qu'autre chose. Et le complexifie. Ok donc on est d'accord, on vire la monnaie. Au passage c'est un peu un raisonnement comme celui-là qu'ont utilisé la plupart des économistes tout au long du 19e siècle. Et encore aujourd'hui la plupart des modèles utilisés par les économistes standards fonctionnent sans monnaie. Gérard de Breu, le prix Nobel d'économie 1983, dont les travaux constituent la pierre angulaire de la théorie économique standard moderne, écrit ainsi en parlant de son modèle dans l'un de ses principaux ouvrages. Aucune théorie de la monnaie n'est offerte ici et l'on suppose que l'économie fonctionne sans l'aide d'un bien servant de moyen d'échange. Bon, si les prix Nobel résonnent ainsi, c'est qu'on doit être sur le bon chemin. Est-ce que tu peux refaire tourner ton modèle sans monnaie eh ben, c'est facile, les employés travaillent dans le champ, ils produisent 80 papayes, en reçoivent 64 en guise de salaire, le fermier garde les 16 papayes restantes, c'est son profit. Maintenant, on va rajouter une banque dans laquelle le fermier, parce qu'il a de quoi faire avec des papayes issues de récoltes précédentes, va déposer sur un compte ses 16 papayes de profit. On va également considérer qu'un nouveau fermier arrive sur l'île avec deux autres personnes qu'il va employer comme défricheurs afin de créer un nouveau champ de papayes. Nouveau champ qui, attention c'est important, ne pourra pas produire tout de suite de papayes. Une fois défriché, il faudra attendre un tour de plus pour pouvoir espérer une récolte. Le problème qui se pose est donc le suivant puisque le champ ne produira pas de papayes ce tour-ci, comment le fermier va-t-il pouvoir payer les défricheurs Eh ben, c'est tout bête, il peut emprunter les 16 papayes à la banque pour payer les mecs. Ça fait 8 papayes chacun, et au tour d'après, il pourra employer les mêmes mecs pour planter et récolter des papayes. Si on garde la même productivité, ça fait 20 papayes produites, 16 qui partent en salaire, 4 de profit. Bon, du coup, il faudra 4 tours pour rembourser totalement la dette, mais ça me paraît pas débile. Ça a l'air de marcher, non Ouais, c'est bien vu. Bravo Alors est-ce que déjà à ce stade, on pourrait tirer quelques conclusions de ton petit modèle Ah, des conclusions. Bah par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire sur la relation entre les salaires et les profits Alors oui, là ça me semble assez facile, dans mon modèle, les profits correspondent à la production moins les salaires. Dans la première ferme, il y a eu une production de 80 papayes, des salaires versés de 64, et donc des profits qui correspondent à la différence entre les deux, 16, ça me paraît logique. Et si les salaires étaient de 7 papayes au lieu de 8, comment les profits seraient-ils impactés Eh bien ça fait 7 fois 8, 56 papayes versées, donc 80 moins 56 égale 24 papayes de profit pour le fermier. Ok donc première conclusion, profit égale production moins salaire. Si on baisse les salaires sans toucher à la production, on augmente les profits. Est-ce que tu vois d'autres lois extrapolées et bien là, comme ça, pas vraiment. Et si tu regardais du côté de la relation entre épargne et investissement Ok, alors l'épargne est de 16 papayes, c'est l'argent placé par le fermier à sa banque, et l'investissement est de 16 papayes aussi, c'est l'argent emprunté par le gars qui cherche à défricher son champ. Donc, on a l'air d'avoir épargne égale investissement Oui, mais c'est l'épargne qui génère l'investissement Ou l'investissement qui génère l'épargne bah là c'est clairement parce que le premier propriétaire a épargné des papayes que le second a pu les emprunter. Donc c'est l'épargne qui génère l'investissement. Sans épargne, pas d'investissement. Donc deuxième conclusion, les dépôts bancaires qui forment l'épargne sont très importants puisque ce sont eux qui permettent l'investissement. Allez, troisième conclusion maintenant. Est-ce que dans ton modèle, ce sont les dépôts bancaires qui font les crédits ou les crédits qui font les dépôts Bah c'est ce qu'on vient de dire, non. C'est parce qu'il y a le premier propriétaire qui a déposé des papayes à sa banque que la banque a pu faire un crédit au second propriétaire. Donc c'est le dépôt du premier mec qui permet au second d'obtenir un crédit. Sans dépôt, pas de crédit. Donc conclusion numéro 3, ce sont les dépôts qui font les crédits. Attends, mais du coup, tu me rabâches depuis toujours que les banques créent la monnaie. On ne devrait pas tomber sur l'inverse, normalement, les crédits font les dépôts. Bah, visiblement, dans un modèle sans monnaie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais, on va y revenir. En attendant, j'aurais bien aimé comprendre comment est-ce qu'il pourrait y avoir du chômage dans ton modèle. Oula, du chômage. Alors, euh, Non, je ne sais pas par où commencer là. Je te donne un indice. Salaire trop élevé. Ah ok. Si un des employés demande par exemple un salaire de 11 papayes, dans ce cas, les fermiers ne voudront pas l'embaucher parce que l'employé coûterait 11 papayes mais ne leur en rapporterait que 10. Cet ouvrier se retrouverait donc au chômage, mais il serait au chômage uniquement parce que ses prétentions salariales sont trop élevées. Ce qui nous amène à la conclusion numéro 4. Le chômage s'explique par des salaires ou des exigences salariales trop élevées. Et maintenant, juste une dernière question. Est-ce qu'il peut y avoir une crise de surproduction dans ton modèle C'est-à-dire une situation dans laquelle les entreprises ne parviendraient pas à écouler l'ensemble de leur production. Une situation dans laquelle des papayes ne serviraient à rien. Ben non, les papayes servent soit de salaire, soit de profit. Donc toutes les papayes servent toujours à quelque chose. Ainsi, les fermes ne peuvent jamais se retrouver avec des papayes invendues sur les bras. Toute la production est toujours utilisée. Ce sera notre cinquième conclusion. Une crise de surproduction est impossible dans cette économie. Eh bien, figure-toi qu'avec ces cinq conclusions, on a retrouvé les cinq propriétés caractéristiques d'une économie de troc et qui sont aussi caractéristiques de la théorie économique standard, vu que, comme on l'a vu précédemment, elle décrit le fonctionnement d'une économie sans monnaie. C'est marrant parce que je pense que je vous vois venir avec vos gros sabots là. Si j'ajoute de la monnaie, ça va pas fonctionner pareil. Mais j'arrive pas à voir comment. On aura juste des mecs payés en monnaie qui consommeront autant que si on leur avait donné directement des papayes. Eh bien, pas si sûr. Voyons voir un peu ce qui se passe si on reprend le même modèle et qu'on y ajoute de la monnaie. Ok. Donc, ça veut dire qu'il faut tout reprendre depuis le début, là. Ah oui, pas le choix, on repart de zéro. On a donc un fermier qui souhaite recruter des employés afin d'exploiter son champ de papayes. Le problème, c'est que le fermier n'aura accès à des euros qu'une fois qu'il aura vendu ses papayes. Sauf que les papayes doivent être vendues aux employés, qui comptent sur un salaire pour pouvoir les acheter. Salaire qui ne peut pas être payé par le fermier puisqu'il n'a pas de monnaie. Ah ouais, donc sans monnaie, on ne peut même pas démarrer, quoi. D'où le rôle de la création monétaire ex nihilo. Il faut des institutions capables de créer la monnaie à partir de rien, parce qu'au début, il n'y a rien. Il y a d'ailleurs un adage chez les entrepreneurs qui dit qu ⁇ Il faut d'abord dépenser de l'argent pour pouvoir ensuite en gagner ⁇ Et c'est tout à fait vrai, on ne peut attendre des entreprises qu'elles organisent la création de richesses que si on leur donne d'abord les moyens d'investir. Et c'est là qu'intervient la création monétaire par les banques. Tout à fait. La quasi-totalité de la monnaie qui existe dans notre économie a été créée par les banques à partir de rien, ex nihilo. Les banques créent la monnaie lorsqu'elles accordent des crédits aux entreprises, aux ménages ou à l'État. Puisque la monnaie est créée au moment du prêt, et bien par symétrie, elle est également détruite au moment du remboursement. Et du coup, si la quantité de monnaie augmente sur une période donnée, c'est que la quantité de crédit accordé dépasse la quantité de crédit remboursé. Pour te rafraîchir les idées, n'hésite pas à aller voir ces vidéos qui expliquent plus en détail cette histoire de création monétaire. Ok, donc pour lancer la machine, le fermier commence par emprunter de la monnaie, c'est ça Exact Si on considère que le fermier compte verser un salaire de 8 euros à chacun de ses 8 employés, il aura donc besoin de 64 euros. Comme il ne les a pas, la seule solution, c'est d'emprunter cette somme à la banque. Banque qui ne possède pas non plus ces 64 euros, mais qui dans le cadre d'un prêt peut tout à fait les créer. Et ici, il y a un aspect très important. La banque ne crée pas la monnaie n'importe comment et pour n'importe qui. Elle a accepté de prêter 64 euros au fermier parce qu'elle pense que son entreprise est rentable et qu'il sera capable de rembourser et de payer des intérêts. Création monétaire ex nihilo à partir de rien ne veut pas dire création monétaire en échange de rien. Les banques créent de la monnaie en échange d'une promesse de remboursement et d'une promesse de versement d'intérêt. D'accord, alors j'ai mon fermier qui emprunte 64 euros à la banque pour payer chacun de ses employés un salaire de 8 euros, moyennant une production totale de 80 papayes. Pour respecter la même logique que dans le modèle sans monnaie, on va dire que chaque papaye vaut 1 euro. Comme ça, chaque employé peut consommer 8 papayes, comme tout à l'heure. Ça fait 64 papayes consommées par les employés. Et comme 80 papayes ont été produites en tout, le fermier pourra disposer de ses 16 papayes de profit restantes, euh, comme tout à l'heure. Oui, mais non, parce qu'on est maintenant dans une économie monétaire. Donc même s'il n'y a que des papayes à consommer, on voit mal le propriétaire d'une entreprise se rémunérer en nature. Les actionnaires de Renault, par exemple, ne veulent pas être payés en voiture, mais en euros. Donc désormais, ce que souhaite gagner le fermier, c'est de l'argent. Ah oui, effectivement, ça paraît logique. Sauf que je vois pas trop comment il peut faire pour gagner de l'argent là. Il peut pas gagner plus que les 64 euros qu'il a dépensés. Eh ben tu vas voir que si, mais il faut d'abord avancer un peu dans l'histoire. Intéresse-toi au nouveau fermier qui arrive sur l'île avec ses deux défricheurs. Que va-t-il faire D'accord. Donc le nouveau fermier empruntait 16 papayes pour payer les défricheurs. Du coup là, à 1 euro la papaye, il va emprunter 16 euros. 16 euros qui vont venir de La création monétaire. C'est bon, j'ai compris. Il les emprunte à la banque qui les crée à partir de rien, ex nihilo. Du coup, on se retrouve avec un fermier de plus qui est endetté, sauf que pour lui, c'est juste 16 euros. Je précise au passage que les dettes des deux fermiers aboutiront à la destruction de la monnaie quand elles seront remboursées. Ok, revenons-en aux défricheurs. Que vont-ils faire avec leur salaire Bah, ils vont devoir acheter les papayes avec, sauf que pour le moment, je vois pas bien où ils vont les trouver. Le champ vient juste d'être défriché, il y a encore rien qu'à pousser dedans. Oui, mais il y a 16 papayes non consommées dans la première ferme. Les deux défricheurs peuvent donc les acheter avec leur salaire. Ah bah oui, je les avais oubliées celles-là. Ah oh bah dis donc, c'est nickel, ça tombe pile, 16 euros de papaye à vendre. Du coup, toute la production du premier fermier est vendue. Et quel est le profit de ce fermier du coup Eh bah donc au total, il a gagné 80 euros grâce aux ventes de papaye, mais il faut garder 64 euros pour les salaires du tour d'après. Ou alors non, il faut rembourser la banque des 64 euros les deux sont justes. On pourrait continuer de faire tourner le modèle avec un remboursement échelonné sur plusieurs tours et un fermier qui emprunte la différence à la banque pour les salaires. Mais ici, partons sur un remboursement total, ce sera plus facile. Ok, donc 64 euros pour la banque, destruction de cette monnaie. mais alors du coup il y a un truc qui cloche non, on n'avait pas dit qu'elle devait toucher un intérêt sur son prêt à la banque. Alors tu as raison, mais pour simplifier, on va considérer que cet intérêt est nul, et donc que le fermier n'a que 64 euros à rembourser. C'est un peu comme dans l'économie de troc où on avait considéré que le premier fermier prêtait ses 16 papayes au second sans intérêt. On pourrait tout à fait rajouter les intérêts, mais il faudrait rajouter un banquier qui dépense les intérêts qu'il touche en achetant des papayes, ça complexifierait le modèle sans changer grand-chose, donc on évite. Ok, ok, donc le gars rembourse les 64 euros qu'il avait empruntés, et du coup il lui reste 80 moins 64, 16 euros, qui font ses profits. Oui, et que va-t-il faire avec ses profits Eh bien, si on raisonne comme dans l'économie de troc, il va les placer intégralement à la banque. Donc les 16 euros s'en vont sur un compte à la banque. Très bien, c'est le moment de comparer nos deux économies. Ok, alors résumons ce qui s'est passé. Dans l'économie de troc, les employés du premier fermier et les défricheurs du second ont consommé 8 papayes chacun, qu'ils ont reçu directement comme salaire. Dans l'économie monétaire, ils ont aussi consommé 8 papayes grâce, cette fois, aux 8 euros de salaire qu'ils ont reçus. Ensuite, dans l'économie de troc, le premier fermier a placé 16 papayes à sa banque. Et dans l'économie monétaire, il a placé 16 euros. Ce qui a priori revient au même, puisqu'une papaye vaut 1 euro. Enfin, dans l'économie de troc, le second fermier a emprunté 16 papayes à la banque, qu'il devra rembourser par la suite. Et dans l'économie monétaire, il a emprunté 16 euros, qu'il faudra aussi rembourser. La seule différence a priori, c'est que dans l'économie monétaire, on a été obligé d'emprunter 64 euros au début pour créer la monnaie et payer les salaires des employés. Cela dit, cet emprunt a bien été remboursé. Alors, où est-ce qu'on a merdé du coup Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on a deux fois la même économie, en fait. Toutes les conclusions sont les mêmes. Le fait qu'elle soit devenue monétaire n'a absolument rien changé. En apparence, oui. Mais est-ce qu'on est bien sûr que les cinq règles qu'on avait établies pour une économie de troc s'appliquent toujours à une économie monétaire Commençons par la formation du profit. Tout à l'heure, on avait vu que profit égale production moins salaire. Moins de salaire à production identique égale plus de profit. Est-ce que c'est toujours vrai ici par exemple, considère que pour une production de papayes identique, les salaires ne soient plus de 8 euros mais de 7 euros. Est-ce que le premier fermier va faire plus de profit Ok, alors 7 euros de salaire, fois 8 employés, ça fait 56 euros au lieu des 64 de tout à l'heure. Les défricheurs reçoivent toujours 16 euros, donc niveau consommation, ça fait 56 plus 16 égale 72 euros. Tiens, du coup, il reste 8 papayes invendues là. T'inquiète pas pour ça pour le moment, reste sur les profits. Ok, donc le fermier touche 72 euros mais rembourse 56, donc il lui reste 16 euros. Ah merde, c'est toujours le même profit. Du coup, j'ai fait une erreur de calcul là Non, en fait, c'est logique. Car dans une économie monétaire, l'argent que dépensent les employés vient des salaires. Donc si les entreprises la renversent moins, les employés dépensent moins, du coup les entreprises vendent moins de marchandises, et plutôt qu'une hausse des profits, elles se retrouvent avec du stock invendu. Ah ouais, c'est logique en fait. Mais j'y aurais pas pensé. Donc, l'équation profit égale production moins salaire ne semble pas s'appliquer. Ce qui pose la question suivante. Quelle est la bonne équation qui permet de définir les profits? D'où viennent les 16 euros de profit du premier fermier? Ok, bon, ça vient pas des salaires des employés de la ferme, ça c'est sûr, parce que tu récupères juste ce que tu as dépensé. Donc, les profits viennent de la consommation des défricheurs. Ce qui veut dire que les profits viennent des salaires des employés des autres entreprises? Alors, ton raisonnement est le bon, mais non, on ne peut pas dire que les profits viennent directement des salaires. Il faut remonter un peu plus la chaîne jusqu'à l'emprunt de 16 euros par le second fermier. En fait, ces 16 euros n'ont pas servi à produire des papayes, mais à défricher un champ pour en produire dans le futur. Ce type de dépense qui n'augmente pas directement la production, mais permettra de l'augmenter dans le futur, c'est ce qu'on appelle en économie. Eh ben, une dépense de. Un investissement. Ah, j'avoue, j'aurais pu le trouver là. Donc ici, c'est parce que le second fermier a investi 16 euros et parce que ces 16 euros n'ont pas immédiatement permis une production de papaye que le premier fermier a pu en profiter. On a donc la relation suivante, profit égale investissement. Et pour t'en convaincre, considère le cas où le second fermier embauche non pas deux, mais un seul défricheur pour défricher un champ plus petit. Et oui, je crois que je vois création de 8 euros par la banque, paiement du défricheur, ajouté au salaire des employés de la première ferme, ça fait une consommation de 8 plus 64 égale 72 euros. Ensuite, remboursement des 64 euros à la banque par le fermier numéro 1, il lui reste plus que 8 euros de profit, et encore 8 papayes invendues sur les bras. Ok. Moins l'investissement égale moins de profit pour le premier fermier. C'est ouf quand même. Oui, et le fait que les investissements fassent les profits est une règle qui a été mise en évidence par un économiste qui s'appelle Kalecki, Et du coup on parle de loi des profits de Kalecki, Une loi dont la plupart des étudiants n'entendront jamais parler à l'université. Mais bref, passons au second point, la relation entre l'épargne et l'investissement. Tout à l'heure, on avait vu que c'était parce que le premier fermier avait épargné des papayes que le second avait pu en emprunter et investir. Donc c'était l'épargne qui générait l'investissement. Est-ce que c'est toujours le cas ici Ah, bah non, du coup Avant, il y avait d'abord le profit par le premier fermier, donc épargne, donc investissement possible par le deuxième fermier, alors qu'ici, ça va dans l'autre sens. N'empêche qu'on voit bien que, comme tout à l'heure, il y a 16 euros, soit l'équivalent de 16 papayes, sur un compte à la banque. Donc est-ce que tu ne veux pas vérifier ton affirmation par un exemple, histoire d'être sûr Ouais, si tu veux, mais c'est assez évident. On peut reprendre le même exemple qu'à l'instant. Mettons que le fermier numéro 2 emprunte 8 euros pour payer qu'un seul défricheur au lieu de 2. Bah, comme on l'a vu, ça fait 8 euros de profit pour le fermier numéro 1. Donc 8 euros de dépôt à la banque. Donc je confirme, la causalité va dans l'autre sens. L'investissement permet l'épargne. Et oui, ici les investissements du second fermier ont généré les profits du premier qui ont pu être épargnés. Ce sont donc bien les investissements qui font l'épargne, contrairement à l'économie de Troc où c'était l'inverse, l'épargne qui faisait l'investissement. Oui. Et on pourrait faire le même raisonnement pour les crédits et les dépôts. Dans l'économie de troc, c'est le dépôt de papaye du premier fermier qui a permis à la banque de les prêter au second. Mais dans notre économie monétaire, c'est parce que le second fermier a emprunté de l'argent à la banque, qu'il l'a créé en conséquence, que le premier fermier a pu réaliser des profits et déposer de l'argent à sa banque. Sans crédit bancaire, pas de création monétaire, donc pas de monnaie ni de dépôt. Dans une économie monétaire, ce sont bien les crédits qui font les dépôts. Ah, C'est quand même fou votre truc, hein. tout s'inverse par le simple fait d'intégrer la monnaie dans le raisonnement. Bon, quatrième point maintenant, on avait vu que dans une économie de troc, la surproduction était impossible. Toutes les papayes servaient soit de salaire, soit de profit. Est-ce que cela est toujours le cas dans une économie monétaire Ah, bah non, du coup, on a déjà vu qu'il pouvait y avoir des papayes invendues dans deux cas. Quand les salaires sont trop bas, si le fermier numéro 1 paye ses employés 7 euros au lieu de 8, eh ben ça fait 56 plus 16 de consommation, donc 72 euros. Il reste 8 papayes au fermier. Et l'autre cas, c'est le trop faible investissement. Si le deuxième fermier n'embauche qu'un seul défricheur au lieu de 2, ça fait 64 plus 8 de consommation, donc encore 72 euros. Il reste toujours 8 papayes sur les bras du fermier numéro 1. Exactement. Donc une crise de surproduction devient possible dans une économie monétaire alors qu'elle ne pouvait pas se produire dans une économie de troc. Ce qui pose la question du chômage. Certes, comme dans l'économie de troc, si un employé de la ferme numéro 1 demande un salaire de 11 euros alors qu'il ne produit que 10 papayes valant 1 euro chacune, le fermier refusera de l'embaucher. Les salaires trop élevés peuvent donc ici aussi engendrer du chômage. Mais il y a une explication de plus. Mets-toi à la place du fermier qui se retrouve avec 8 papayes invendues sur les bras. Qu'est-ce qu'il va faire au tour suivant Eh ben il va virer du monde. À quoi bon payer des salaires pour des trucs qui ne se vendent pas Le fermier va virer un mec pour récolter 8 papayes de moins. Et oui, soit ça, soit proposer du temps partiel. Ok, donc pas assez d'investissement ou pas assez de salaire, et bim sur production, donc licenciement. Licenciements qui n'arrangeront rien, puisque cela provoquera encore moins de consommation au tour prochain. À moins bien sûr que les investissements en accélèrent pour compenser. Du coup, dans ces conditions, quelle serait selon toi la solution pour régler le problème du chômage Eh ben, soit on augmente les salaires, soit on augmente l'investissement. Sauf que je vois pas comment on pourrait forcer les entreprises à investir, en fait. Il y a de nombreuses méthodes incitatives, mais quand les entreprises n'ont pas le moral, parce qu'il y a des invendus, c'est vrai qu'il n'est pas facile de leur demander d'augmenter les salaires ou d'investir. C'est pour ça que le rôle de l'État est très important. Il peut investir lui-même en faisant construire des infrastructures, en rénovant des biens publics, etc. Il peut aussi augmenter les aides sociales afin de faire augmenter la consommation. Dans les deux cas, l'objectif est de faire disparaître la situation de surproduction afin que les entreprises se remettent à investir. Est-ce que tu vois un peu le léger changement de point de vue? Dans l'économie de troc, seuls des salaires trop élevés pouvaient expliquer le chômage. Dans cette économie monétaire, cela peut aussi venir d'une situation de surproduction causée par un manque d'investissement ou par des salaires trop bas. Ah, c'est complètement fou. OK, résumons un peu ce qu'on a démontré quant aux différentes propriétés de nos deux modèles avant de passer à la suite. Dans notre économie de troc, les profits s'expliquent par les différences entre la valeur de la production et les salaires versés. L'épargne fait l'investissement, les dépôts font les crédits, le chômage s'explique par des salaires trop élevés et les crises de surproduction sont impossibles. En revanche, dans notre économie monétaire, ce sont les investissements qui font les profits, les investissements qui font l'épargne, les crédits qui font les dépôts, le chômage peut s'expliquer par des salaires trop élevés, certes, mais à cause des crises de surproduction qui sont désormais possibles, il peut aussi s'expliquer par des salaires trop faibles ou par un manque d'investissement. Alors, attends, attends, parce que du coup j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va m'énerver là. Tout à l'heure, en début de vidéo, vous m'avez expliqué que les modèles économiques standards étaient des modèles sans monnaie. Oui, la plupart des modèles utilisés par les économistes, notamment dans les grandes institutions internationales, sont des modèles fondamentalement non monétaires. Il n'y a pas dans ces modèles une monnaie qui est créée par les banques en contrepartie d'une dette et qu'il faut ensuite rembourser, ce qui provoque sa destruction. Du coup, ces modèles ont toutes les propriétés d'une économie de troc. D'ailleurs, on en avait parlé dans une des vidéos sur la crise des subprimes quand on cherchait à comprendre... Pourquoi les grandes institutions supposées surveiller le bon fonctionnement de nos économies n'avaient rien vu venir Outre le fait que, même avec de bons outils, le timing des crises est presque impossible à anticiper, il n'empêche que sans monnaie, sans même parler de prévoir les crises, les modèles sont incapables de les décrire, ni même de les envisager. Et on comprend pourquoi. Sans une modélisation fidèle du système monétaire et financier, pas d'analyse de la création de la monnaie, de sa circulation, de son utilisation à des fins spéculatives plutôt que productives. Pas possible non plus d'anticiper ou de comprendre que le chômage est lié à une crise de surproduction. Ah, mais je comprends pas là. Du coup ça veut dire que les économistes qui conseillent les politiques font n'importe quoi. Bah c'est sûr que si tu modélises une économie de troc, tu vas conseiller au gouvernement de stimuler l'épargne pour stimuler l'investissement. Alors que dans une économie monétaire, ça marche pas comme ça. Il faut au contraire plutôt stimuler la consommation et encourager les banques à créer la monnaie nécessaire au financement des investissements. Et toujours en regardant une économie de troc, tu vas conseiller au gouvernement de mettre en place des politiques qui font baisser les salaires afin de faire diminuer le chômage. Alors qu'il se peut très bien que ce chômage soit dû à une histoire de surproduction qui a encouragé les entreprises à licencier et à stopper leurs investissements. Dans ce cas, réduire le chômage voudrait plutôt dire encourager les hausses de salaires, augmenter les aides sociales, augmenter les investissements publics afin de relancer la consommation. Non, mais alors, donc deux secondes là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier si on sait que les conclusions du modèle de troc sont opposées à celui du modèle avec monnaie, et que notre économie fonctionne avec de la monnaie. Pourquoi on n'a pas déjà foutu à la poubelle les modèles de troc Il y a beaucoup à dire. D'abord, l'essentiel de la macroéconomie standard repose aujourd'hui sur des hypothèses de base qui ont été formulées il y a plus d'un siècle, à une époque où la plupart des économistes pensaient que la monnaie n'avait pas d'influence sur le fonctionnement des économies. Depuis, par ajout de couches successives, et à partir de ces hypothèses qui négligent la monnaie, on a construit des modèles toujours plus complexes, ce qui rend la remise en question d'autant plus difficile. C'est un peu comme si, en pleine construction du 40e étage d'un immeuble, tu t'apercevais qu'il y avait des problèmes au niveau des fondations, et que, pour les corriger, il te faudrait, en plus des fondations, retravailler sur chaque étage de l'immeuble, pour s'assurer de sa cohérence structurelle. Difficile de se lancer dans un travail aussi titanesque, d'autant plus que l'ensemble de l'édifice s'en trouverait profondément modifié. Je rajouterai qu'à l'université, on ne fait que très peu réfléchir les étudiants sur les hypothèses de base des modèles qu'ils étudient. Et ils n'auront en plus que rarement l'occasion de voir de véritables modèles monétaires, comme celui que l'on a construit ici. Ce qui fait que très peu d'étudiants ont conscience du rôle capital que joue la monnaie dans nos économies. Et la plupart s'en tiennent alors à l'adage qu'ils s'entendront le plus souvent répété au cours de leurs études, à savoir que la monnaie est neutre, c'est-à-dire sans influence, sur le long terme. Ensuite, une partie de ces étudiants partiront en thèse, construire le 41ème étage de la tour, et le système se reproduit ainsi sans que ses fondations ne soient modifiées. Et puis, il ne faut pas oublier que le rôle d'un modèle macroéconomique, c'est la prédiction. Même si l'histoire du capitalisme regorge de crises économiques diverses de plus ou moins grande ampleur, et que les modèles standards ne savent absolument pas expliquer, il n'empêche que ces crises sont plutôt ponctuelles, et que dans l'ensemble, c'est bien la croissance économique qui domine. Le PIB n'arrête pas de croître un peu partout. Du coup, les modèles de troc sont vus comme de bonnes approximations de la réalité puisqu'ils prédisent une croissance continue sans jamais aucune crise. Évidemment, quand une crise pointe le bout de son nez et qu'elle est majeure comme celle de 2008, les modèles de troc sont pointés du doigt. Mais le débat reste le même. Leurs défenseurs expliquent que les crises sont des événements imprévisibles et rares par nature, et qu'aucun modèle ne peut les prévoir, et leurs contradicteurs rétorquent qu'un modèle qui, sans parler de prévoir, ne peut même pas expliquer le fonctionnement d'une crise, est tout simplement trop éloigné de la réalité pour être conservé. Quant aux économistes qui, avant 2008, on prédit qu'une crise financière pouvait se produire, comme par exemple Steve Keen. C'est vrai qu'il résonnait bien dans des modèles monétaires. Et ces modèles auraient pu nous aider à mieux prévenir ou combattre les crises financières. Mais ils ne sont pas réellement prédictifs, dans le sens où ils ne peuvent pas dire exactement quand aura lieu la prochaine crise. Et puis de toute manière, ils sont si différents des modèles standards qu'il est très difficile pour un économiste classique ou un étudiant qui a suivi un cursus économique classique de les comprendre. Ce qui fait que ces modèles ont beaucoup de mal à se diffuser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, partager, liker. Un très grand merci aux Tipeurs pour leur soutien financier. Et bien sûr, un énorme merci à Edouard qui a eu l'idée de cet épisode passionnant sur les modèles monétaires. Modèles sur lesquels il a écrit sa thèse. Je vous invite à aller voir sa chaîne et à vous y abonner. Un très grand merci à toi aussi Gilles, ça a été un plaisir de réaliser cette vidéo avec toi. Et un grand merci aussi à vous tous pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous propose maintenant qu'on laisse à Joan Robinson, célèbre économiste post keynésienne le mot de la fin.